tôt que je vous présente ici mon petit tour du lac d'Annecy. Départ du col de la Forclaz. Tout de suite, on recherche des ascendances dans la combe à côté du décollage. Je trouve une ascendance qui va me mener au rocher du Roux à 1690 mètres. Et là, je vais pouvoir entamer la transition vers le Lanfonné. Dans cette transition, je perds 250 mètres et j'arrive à 1440 mètres. Ça monte bien le long du Lanfonné. Entre le Lanfonné et les Dents de l'Enfant, je trouve un thermique qui va me mener à 2070 mètres. Et là, j'entame la transition vers le Roc des Bœufs. Pas oublier de faire la laisse de chien. La brise en provenance du lac nous ramenant directement sur le Roc des Bœufs. Donc j'arrive au Roc des Bœufs à 932 mètres. J'essaye de rester au-dessus de la crête, de faire des 8, de passer la première ligne électrique le plus haut possible. Et entre les deux lignes, je trouve un thermique qui va me monter à 1826 mètres. Et là, j'entame la transition vers le décollage du col de la Forclaz, notre point de départ. Donc j'arrive à 980 mètres et je monte progressivement le long du relief. Je passe sous le décollage. Je fais des 8. Je vais voir un peu plus loin. Et là, je trouve un beau thermique qui va me mener progressivement à une hauteur de 1920 mètres. Voilà, je suis largement au-dessus du décollage. Le petit tour de lac est bouclé. Il ne me reste plus qu'à jouer un petit peu et à me diriger vers l'atterrissage de Doussard. Voilà, pour ce petit tour de lac d'Annecy.